Hey les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Brookhaven. Aujourd'hui les gens, franchement je suis content parce que je vais pouvoir vous montrer quelque chose. Aujourd'hui les gens, c'est très simple, j'ai ramené ma copine sur Brookhaven. Donc voilà, ma copine dans la vraie vie. Justement elle est en train de passer l'aspirateur actuellement. Malheureusement justement lors de cette vidéo elle ne parlera pas parce que justement elle a pas envie de parler à travers le micro. Mais justement je la fais jouer à Brookhaven. Donc du coup voilà, on fait notre petite vie juste ici. Bon du coup les gens, ça va être très simple. Ma copine, bon bah là du coup elle fait le balai tranquillement, voilà. Donc du coup elle s'appelle Lucia, donc du coup merci à toi en tout cas Lucia. Donc du coup on va jouer un petit peu et puis je vais lui présenter un petit peu Brookhaven. Donc là elle fait des petits trucs qu'elle fait déjà dans la vraie vie de base. Donc là franchement elle se débrouille vraiment vraiment bien. D'ailleurs il faudra que tu t'abonnes et que tu likes cette vidéo, sinon ce serpent se retrouvera dans tes toilettes et tu ne pourras plus jamais y aller de toute ta vie. Bon du coup là elle est en train de faire l'aspirateur. Donc bah écoute Lucia, suis-moi un petit peu. Dis-moi, est-ce que tu peux me faire à manger un petit peu? Parce que s'il te plaît là j'ai vraiment faim. Et ça serait super sympa que tu me fasses à manger. Donc comme je vous ai dit les gens, elle a pas trop envie de parler. Donc du coup elle va parler dans le chat. Ok, oui pas de soucis mon loulou. Ah voilà, c'est ça qu'on aime, c'est ça, c'est ça. Allez, et fais assez vite parce que vraiment j'ai vraiment faim, d'accord? Parce que là vraiment il est tard. Moi en attendant je vais aller prendre ma douche. Puis je vous retrouve tout de suite. Bon les gens, je ressors de la douche. Donc du coup c'était plutôt sympa la petite douche là. Donc du coup regardez, ah bah voilà, elle m'a fait à manger. Donc du coup c'est parti, on va s'asseoir. En tout cas merci ma biche, c'est très gentil. Donc du coup on va goûter ça tout de suite. Allez, donc du coup c'est du poulet, on va goûter le poulet. C'est dégueulasse. C'est pas bon. Qui t'a fait faire ça en fait? Qui t'a fait faire ça? Bah le poulet, il y a tout en fait qui est pas bon. Genre tu vas me refaire un truc à manger. Là c'est quoi ça? C'est un tacos. C'est un faritas. On va goûter hein. Ouais bon. C'est bon mais... Oh, pff, sans plus hein. Sans plus hein, vraiment. Franchement tu devrais prendre des cours de cuisine hein. Après bon vas-y voilà quoi. Mais bon c'est pas grave, tu veux que je te fasse plaisir? Oh là les gens, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire là? Comment ça? Tu veux que je te fasse plaisir? Vas-y fais-moi plaisir. Comment ça elle veut me faire plaisir, je comprends pas. D'accord smiley. Ok, je me demande bien ce qu'elle va faire pour pouvoir me faire plaisir, mais en tout cas je vais la suivre du coup. Bon les gens, je sais pas du tout ce qu'elle est en train de préparer, là j'ai vu qu'elle avait mis le jacuzzi, etc. Bon après la nourriture qu'elle vient de faire, franchement, elle veut me faire plaisir, mais je vois pas du tout comment elle pourrait me faire plaisir, franchement, voilà quoi. Mais Lucia, faudrait vraiment que tu fasses un peu mieux à manger, hein, parce que là clairement c'était pas bon. Bon du coup on va regarder, et wow. D'accord. Ça veut dire quoi ça? Alors tu viens passer du bon temps? Bon les gens, je suis désolé, mais là je vais faire une petite coupure. Et justement bah écoutez, je vais aller passer du bon temps. Je vous retrouve tout de suite. Parce que là il y a des choses qui doivent rester que pour moi. Ok les gens, donc du coup c'est parti, on va aller tout de suite au magasin tous les deux. Donc du coup franchement j'ai passé un super moment. Bon là clairement je peux lui pardonner le plat de tout à l'heure. C'est vrai que j'ai été un peu méchant avec elle, mais cette fois-ci c'est pas grave parce que justement on va aller tout de suite faire les courses. Donc du coup je vais mettre un petit peu plus de vitesse et puis je vais l'envoyer en enfer comme GMK. Donc du coup c'est parti, hop là. Hop là, on va passer par là, grande ligne droite, c'est parti, let's go. Alors dis-moi, est-ce que tu trouves que ma voiture elle est belle? Est-ce que tu t'aimes bien la petite balade là? Oui, trop bien, ah bah let's go. Ça c'est vrai qu'en même temps, ça c'est, j'aime beaucoup. En tout cas, moi je trouve que je pilote bien. Et voilà, et... En tout cas, j'espère en tout cas que tu auras bien aimé cette balade. Bon bah du coup, on va aller dans le magasin, on va faire les courses gentiment. Donc du coup, est-ce que tu pourras juste prendre le caddie et prendre les trucs? Donc tu choisis, toi de toute façon, c'est toi qui gères les courses. Donc voilà, voilà, moi je vais regarder un petit peu ce qu'il y a, et, voilà. Oh, il y a toutes les portes qui sont ouvertes, on va fermer ça, on va faire le travail des gens qui travaillent, on va faire le boulot des gens qui travaillent ici. Bon, bah, pour l'instant, je vais regarder un peu ce que t'as pris, ok, du lait, du coca, des Doritos, des pizzas, des pommes, des bananes, ouais, ouais. Ouais, et tu sais combien ça coûte tout ça? Tu sais combien ça coûte tout ça? Hein? Non. Donc toi, tu prends des trucs avec mon argent. Et tu sais même pas combien ça coûte. Tu sais ce que ça, tu sais ce que tu vas faire là? Tu vas aller tout vider. Tu vas aller tout reposer un à un. Et tu vas refaire les courses. Et tant que les courses ne seront pas bonnes et que je n'aurai pas le prix des courses, et bah tu ne sortiras pas du magasin, d'accord? Non mais c'est n'importe quoi. À quel moment on fait des courses et puis on compte pas le prix? Non mais vous connaissez hein, l'inflation, tout ça, ça coûte cher la vie. Hein. Non mais vraiment, voilà. Bon alors c'est parti. Tu vas refaire des courses. Donc là cette fois-ci je vais te dire ce qu'il faut prendre. Tu vas prendre des Doritos. Voilà. Des pizzas surgelées, voilà. Ah tiens, des petits chocolats là, tu vas prendre du chocolat. Voilà, voilà.
Non, pas de bouteille d'eau, l'eau ça sert à rien, le lait non plus. Tiens, tu vas prendre du soda, des boissons énergisantes juste là. Voilà. Et là, je pense qu'on est pas mal. Voilà, des vraies courses, des Doritos, des pizzas, de la boisson énergisante et du chocolat. Parfait. Allez hop, on achète tout ça, c'est parti. Et puis voilà. Allez, maintenant, suis-moi, je vais me faire pardonner. Comment ça, tu vas te faire pardonner? Tu veux faire quoi pour te faire pardonner? Bah vas-y, je te suis, hein. Bah vas-y, hein, je te suis, hein. Tu peux y aller, hein. Tu vas voir. Ok, ok, bah écoute, je vais voir. En tout cas, je me demande bien ce qu'elle va pouvoir faire pour se pardonner. Bon, tout à l'heure, exceptionnellement, j'ai laissé passer. Mais bon, là, cette fois-ci, je ne laisserai absolument pas passer parce que franchement, c'est quelque chose qui est absolument dégoûtant et déroutant. Donc du coup, voilà. Bon, du coup, on va passer par la porte et on va regarder. Oh là. Oh là. Bon les gens, je vais vous laisser, je finis ça rapidement et puis je vous retrouve tout de suite pour la vidéo, j'ai quelque chose à régler. Bon les gens, cette fois-ci c'est bon, on a fini les courses, donc du coup voilà, donc j'ai réglé la petite chose qu'on devait faire, y a une petite engueulade entre nous. Donc du coup c'est parti, on va rentrer à la maison et puis du coup voilà, donc je vais lui dire de garer la voiture. Donc est-ce que tu peux garer la voiture s'il te plaît? Donc du coup c'est bon, elle va garer la voiture. Moi je vais aller regarder le foot. Oui, pas de soucis. Ah, voilà, ça c'est mon amour, ça c'est mon bébé. Et puis on va voir si elle va faire le ménage. En attendant, je vais attendre qu'elle fasse le ménage. Ah bah tiens, ah bah c'est actif vite, hein. Franchement, elle est très active, hein. Bon, moi, vous savez quoi, les gens? Je vais faire un petit sauna. Donc c'est parti, on va aller à l'intérieur du sauna et puis on va attendre. On va continuer notre vie. Hop là, c'est parti. Et puis on va activer le sauna. Hop là, c'est parti. Oh, regardez, elle est venue me voir avec ses beaux cœurs. Avec ses petits yeux en cœur. Oh, elle est trop adorable. Tout le monde rêverait de la voir. En tout cas, franchement, c'était génial. Ouais, les gens, regardez, elles soulèvent plus lourd que moi. Mais deux, mais c'est quoi ça? Comment ça se fait? Elle en soulève deux, mais c'est n'importe quoi. Non, mais c'est n'importe quoi. Non, mais regardez, en plus, elle fait les deux en même temps, mais c'est n'importe quoi. Je t'impressionne comme toujours. Je t'avoue, tu m'impressionnes, mais tu me fais un peu peur à la fois. Bon, les gens, là, ma femme, elle est partie rapidement faire des deux, trois petites choses en ville. Donc, du coup, bon, bah, on va la laisser tranquille, voilà. Je lui ai prêté ma voiture gentiment parce que bon bah c'est quand même une jolie voiture. Je lui ai prêté ma voiture voilà pour qu'elle fasse ses choses tranquille. Et puis bon bah nous on va rester tranquille, on va regarder le foot. Dans tous les cas elle a fait le ménage, elle m'a fait à manger. Il n'y a rien d'autre à faire, la vie est géniale. Bon les gens là je vous retrouve parce que là en fait pendant qu'elle est partie la maison elle est en feu. Et j'ai absolument besoin d'elle là pour qu'elle puisse l'éteindre. Et là j'arrête pas de l'appeler depuis tout à l'heure et elle répond absolument pas. Ok bah c'est pas grave, j'arrive tout de suite. Ok ça marche. Bon, bah apparemment, elle est en ville et elle a fait une petite boulette. Bon, après, c'est pas grave si c'est une petite boulette. Elle avait l'air de pas trop être inquiétée, donc je pense que ça va, c'est pas trop... T'as encastré ma voiture? Mais pourquoi t'as fait ça? Mais comment t'as fait? Comment t'as fait? Mais comment t'as fait? Mais t'es nul, tu conduis mal, t'es mauvaise! Mais non, mais non, mais non, mais non, mais... Oh là, non, là, je suis à deux doigts de te quitter. Je suis désolé, je peux pas accepter ça. Bon, les gens, cette fois-ci, je vous retrouve. Donc, du coup, c'est bon, ma voiture est juste ici. Ma voiture est juste là, c'est parfait. Donc, du coup, c'est bon, on prend la voiture. Et on va retourner à la maison. Donc, du coup, ma copine est rentrée à la maison. Donc, du coup, on a réglé les problèmes. Finalement, je ne la quitte pas parce que, bon, bah... Voilà quoi, elle a été très gentille avec moi, elle s'est bien excusée, très très bien excusée d'ailleurs, mieux que les autres fois. Donc du coup c'est parti, on va rentrer. Donc la maison est en feu, j'avais dit d'appeler les pompiers et elle n'a pas appelé les pompiers. En plus je peux même pas rentrer, regardez, oh là là là, bon je vais devoir passer par derrière puisque la porte est ouverte par derrière. On va aller la voir. Elle est là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Non mais t'es au courant qu'il y a la maison qui est en feu et je t'ai demandé d'aller appeler les pompiers hein. Hein? Oui. Doucement, 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 doucement. Calme-toi, calme-toi. Oh, attendez, parce que là, si je recule encore, je vais tomber dans la piscine. Pour toutes les fois où tu as été méchant avec moi. Mais c'était pas de la méchanceté, c'était pour... parce que... Mais non, non, c'était pas de la méchanceté, tu sais bien que je t'aime. Maintenant, paye. Quoi? Non. Ah, les gens... Ah non, je suis à l'hôpital. Elle m'a tiré dans l'estomac, j'ai perdu mon estomac. J'ai perdu ma copine et j'ai perdu mon estomac. Donc pour toutes les personnes qui ont une copine, soyez gentils avec votre copine. Abonnez-vous et likez cette vidéo.